Salut à tous, c'est les façonneurs de rêve. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 3 de Skyland. Et aujourd'hui, on a procédé à un petit échange. On a troqué Linetaru contre Kualt. Alors, non, c'est plus de vie, donc. Non, en fait, Linetaru est pas là. Et du coup, on a proposé à Kualt de venir avec nous pour cet épisode. Donc, il a gentiment accepté de venir nous tenir compagnie. Ouais. Comme donc ça. Voilà. D'accord. Non, pas du tout. Exactement ça. Bon, du coup, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, si on explore une nouvelle île ou si on continue celle qu'on avait commencé la dernière fois. Moi, je continue de piller les ressources de celle-là. Hein. Moi, je vais sûrement retourner miner du fer parce que vous ne l'avez pas vu, mes chers viewers, mais suite à ma mort du dernier épisode, je me suis littéralement créé un stuff en fer sans avoir créé d'outils au préalable, donc je viens d'utiliser toutes nos ressources pour... Genre on est tous tout nus et que c'est la seule qui a une super flat armure en fer, quoi. Voilà. Parce que je me suis trompée avec la série modée, ok. C'est vrai que dans la série modée, du coup, on est blindé de ressources. Épisode avec l'achievement diamant. Oh, GG. Du coup, je vais... moi, personnellement, je vais aller, du coup, chercher du... Voilà. Oh, il y a du fer, là. Oh, fuck. Voilà, enfin, je vais essayer d'en trouver aussi sur l'île en face. Je vais retourner, du coup, sur l'île d'en face, moi. Ouais, moi aussi, là où on est mort. Enfin, toi non, mais moi, oui. Là où je suis mort. Par contre, j'ai fait des labyrinthes. Tu peux explorer. Normalement, tu tomberas sur les galeries de Linetaru, quelque part. Je sais pas où est son point d'entrée. Ah oui, non, mais moi, je vais sur l'autre île. Je vais dans des tunnels que je connais. Et puis, voilà. Bah, puis, dès qu'on sera OK, je vous propose qu'on aille... Je sais plus ce qu'il voulait aller voir comme île. Linetaru nous avait proposé d'aller... Celle avec le château en diagonale. Ah bah voilà. Hey, heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Hein. Heureusement qu'on a un viewer. Heureusement qu'on a notre fan aujourd'hui. Je rigole. Ouais, notre fan number one. Mais attends, ça sert à rien que j'aille miner si j'ai pas pris des choses qui font de la lumière. C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué du coup. Ah oui, je vois vraiment rien. Ta-ta-ta. Ouais, dans l'idée, là, il nous faudrait pas mal de fer pour qu'on soit tranquille. Ouais, c'est ça. Il faudrait se faire une bonne réserve de fer. Vous craftez des armures. Bon, en vrai, ce que j'étais en train de me dire, est-ce que ça sert vraiment les armures? Parce que niveau ennemi, là, pour l'instant... ça pullule de zombies, quoi. Ouais, c'est pas violent, quoi. Ouais, après, c'est vrai qu'ils sont stuffés, du coup, les bâtards. C'est vrai qu'ils sont durs à tuer. Hein. D'ailleurs, remarquez, j'ai déjà une mort, et c'est juste que j'étais en train de... Allez, ça y est, il cherche des excuses. J'étais en train de... Qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de faire autre chose, je regardais pas le jeu. Ah, bah, j'étais en train de regarder les tests audio, voilà, je me souviens maintenant. Et ces salopios, là, ils m'ont buté pendant que je regardais pas. Après, moi, j'ai une super épée, donc c'est peut-être pour ça qu'ils me paraissent pas trop vilains. Oh, tiens, QL, t'es content. Ce qui serait intéressant aussi, ce serait de gérer la nourriture. Ouais, exact. Parce qu'à un moment donné, on aura faim. Ouais, ouais. Bah, je peux faire custo si vous voulez. Allez, nous fera des cookies. C'est pas du tout pour ça que je me suis jeté dans le vide au début d'épisode. T'avais faim? J'avais la bouffe à fond et j'avais plus que deux cœurs, donc. Yeah. Je sais que Linetaru nous avait. C'est Linetaru, je crois, qu'il nous avait trouvé une soupe de champignons, donc on a une soupe de champignons. Voilà. Bah, si on se la partage, ça va pas faire grand chose. Hein. Non, c'est clair. Surtout qu'on peut pas. Non, enfin, on pouvait au moins faire des croutons. On a du pain, on peut faire des croutons, techniquement. Ouais, on a trois pains. On peut croutonner. Oh, tout ce pain qui est parti dans l'oblivion quand je suis morte. Oh, ça va de nous narguer là avec tout ce que tu as perdu. Mais non, justement, c'est horrible, ça me fait trop mal au cœur. Moi, j'ai fini par tomber dans le vide aussi. Mais du coup, je peux pas retrouver ce que j'ai perdu. De l'or. Ça sert de l'or? Oui, par contre, attention à la pioche que tu utilises. Ah. Ah oui, c'est vrai. Il faut quoi? Il faut pioche faire en... Ouais, pioche en fer.
Ah bon, bah j'y touche pas alors. Bah faites-nous le dire. Bah là là là. Parce qu'il y en a partout de l'or, hein, mais on peut pas l'utiliser. Enfin, moi je peux pas le miner en tout cas. Et puis d'ailleurs, dans l'épisode précédent, nous avions gâché un peu d'or. De la même manière. Bah oui. On n'apprend pas de ses erreurs, hein, c'est fou. Ah oh là 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 là. Trop des mauvaises personnes. Ouais, mérite pas de vivre. 10 ans de tôle pour te punir. Quoi ? C'est un peu excessif. Oui, ça va, c'est pas non plus un meurtre. Hein. Pas encore. Mais avec qui je traîne ? Ah oui, excusez-moi si je parle pas beaucoup, mais étant donné que je maintiens ma touche de sneak à fond, je ne peux pas appuyer sur ma push to talk en même temps, ou sinon je suis obligé de m'arrêter, en fait. Et aussi, ouais, aussi l'autre truc, c'est que je crois que Nintendo, il avait dit qu'on était short au niveau bois. Ah bah je vais aller chercher du bois. Allez, je m'occupe du bois. J'arrive à retourner sur notre île parce que là on a creusé des galeries dans tous les sens. C'est à droite. Non, si, oui, enfin, à un moment c'est à droite. Ok. C'est dans la bonne direction. J'ai vu du fer donc je vais aller le chercher d'abord. J'ai une obsession pour le fer. Bah, c'est normal. Voilà. Ouais, j'ai trouvé du fer. Yata. Ah, je crois que j'ai retrouvé. Ah, Qualt aussi a trouvé du fer. Ah oui. Non. Je crois que j'ai retrouvé une galerie du Netaru. Tap 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 tap. Du bois, j'ai une hache. Oui, j'ai une hache, parfait. Oh, un zombie, viens là que je t'arrache tes dents. Mais... Alors, dans mon souvenir, vous aviez fait un petit champ par là. Oui. Ah, il est bien, je crois. De quoi tu parles? Peut-être. Toi, il me semble... Ah oui, voilà. Comment je vais faire ? Bougez pas. J'aime bien aussi, je crois me rappeler, dans l'épisode précédent, il y a genre, vous étiez en train de faire le chant, et puis je sais plus qui disait, ça va pas marcher, c'est pas irrigué, machin. Et vous aviez, je sais pas combien de lingots de fer, bah, tous ceux que c'est quiz a claqué pour se faire son armure, vous auriez pu faire un saut, aller chercher au lac du milieu, là. Si oui, seulement, si seulement on avait de l'eau pour irriguer le champ. J'étais là, c'est une blague ou quoi? C'est pas vrai, la honte, il nous a... Mais ouais, grave. C'est inadmissible, quoi. Alors, du bois. Je me fais un petit coffre, hein, pour mes expéditions, puisque vu que c'est un peu dangereux, je préfère poser mes oui, t'as ressources raison. Au fur et à mesure que je les trouve, en fait. Je comptais me faire pareil, avoir un coffre sur moi, parce que... Il faudrait... Je me dis, si je tombe, comme c'est quiz, hein... Bah déjà, moi, je vais en exploration avec le strict minimum, c'est-à-dire que j'ai une pioche, un stack de pierres et une dizaine de torches, en fait, seulement. Oui, ouais, moi j'emmène tout, moi. C'est pas une bonne idée du tout. Alors, on va mettre... Du fer à fondre. Oh, ah ben on a déjà. Ah, je vais me faire une épée en fer. Tac. Une pioche en fer pour une épée, qu'est-ce que je dis? Bon, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Non, c'est utile. Tac. On a besoin du charbon, hein, aussi. Du coup, là, vu qu'on est sur des îles volantes, j'ai trop peur à chaque fois que je mine que ça tombe dans le vide, là. Ah bah là, voilà. Ça c'est exactement aller. Ce qui vient de se passer. Ça va bien se passer. Parce que du coup, là, l'île, elle tient debout, on sait pas trop pourquoi, hein, parce que tout ce qu'on est en train de lui miner dans la tronche, là. C'est clair. Bon bah, je vais aller par là. Tac. Ça, je le remets dans le coffre. Ça aussi. Quoique, je vais peut-être en garder un peu sur moi. Ça peut toujours servir. Hop. Oh, au fait, j'ai pas du tout mis de timer. Pour une fois, j'ai oublié. Ben, on est à 10 minutes. Ok.
Bah, quel, du coup, à 15 minutes, tu veux bien me le dire? Comme ça, on va sur l'île pour la fin de l'épisode. Okay. Sur l'autre île pour la fin de l'épisode. Une pioche pour ramasser l'or. Yeah! C'est une blague ou quoi? Quoi? Ah. Moi, je suis en train de devenir fou, il y a ma roulette qui scrolle deux fois, j'arrivais pas à aller sur la case entre les deux. Ah, dur. Il y a beaucoup de ressources, ça n'empêche, hein, dans les îles. Ouais. Tant mieux. Tu veux dire en termes de minerai? Bah, je trouve beaucoup de fer, hein. Ouais, parce que je pense que le gars, il a utilisé des broches... Il a utilisé des broches qui mettent les minerais en quantité assez importante. Des formations professionnelles. Oui, bah écoute, hein. Ah, bon alors. Donc, on a... Bien épuisé les ressources. Un diable de plus. On n'a pas d'eau. J'aurais bien fait de l'engrais, mais... Bah, fais caca faire dans un seau. Ouais, c'est ça. Ah, mince, ma pioche, elle est molt. Multibus, la pioche. J'ai de quoi en faire. Oui, mais oui, je suis intelligente, j'ai pris de quoi en faire. Je m'auto-congratule. Non, mais c'est bien, il faut. Ouais, je pense aussi, de temps en temps, ça fait du bien. Après, moi, j'ai envie de vous dire, l'île de base, j'ai envie d'aller tout en bas du pic le plus bas, ouais, et de faire une espèce d'étendue en slab de pierre, et ensuite de déforer l'île. Non, mais ça me prendrait un temps monstre. Elle est complètement perfectionniste, en fait. Elle prend une île, elle veut la faire à fond, tu sais, elle veut la sucer jusqu'à la moelle. J'ai plus d'île après. Ouais, en même temps, c'est... Ouais, je sais pas. Après, je me dis, si on se perd là-dedans... Enfin, il y a un moment, les ressources, bon, c'est bien d'en avoir, mais d'en avoir trop, ça n'a pas forcément de l'intérêt. Est-ce qu'il vaut mieux pas aller explorer, quoi? C'est ce que je pense aussi, parce qu'il y a quand même... Enfin, à la base, il y a quand même des donjons et tout, là, dans ce truc. En théorie. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense que je vais déjà commencer à construire le pont pour aller sur l'île suivante. Ok. Alors, c'est celle avec le château là-bas que vous voulez visiter? Ouais. Putain, il y en a pour un moment. D'accord. À visiter ou à faire le pont? À faire le pont. T'as besoin d'aide? Non, pas forcément, mais je vais commencer à aider maintenant. Je suis en train de miner, du coup, je me dis, je viens t'aider dès que j'ai pété ma pioche. En fait, ça va être grave relou. Parce qu'on va arriver en hauteur en fait par rapport au bidule. Et t'as vu, en plus, Inetaro et l'XM, ils nous ont bien fait les trucs, ils nous ont fait un très joli pont, hein. Il est esthétique. C'est vrai, ouais. Tu fais un truc qui a pas de gueule et tout. Il est surtout bien fait pour pas qu'on tombe, parce qu'on est des gros boulets, voilà, donc... Voilà, on est des gros bardes et tout, enfin, je veux dire... Mais ils vont se faire embaucher chez Stana, hein. Quoi, Stana? Bah parce qu'ils font des monts de charge personnalisés. D'accord, c'est vraiment une référence de vieux. Oui. Je connais pas du tout, quoi. La meuf, bah, elle est experte en monte charge, quoi. Faut regarder France 2 à 13h30. Ah, d'accord, à 13h30. Oui, des montes. Je m'assieds à sa sœur, moi. Ouais. Parce que la télé pour les vieux, c'est à cette heure-là. Les pubs pour les vieux, c'est entre les infos, là. Donc ils ont ça, ils ont Stana, ils ont... T'es parti à partir de quelle île, Qualt? De la deuxième. Je suis parti de la deuxième pour aller sur la troisième. Est-ce que tu peux venir par ici? Je voudrais juste que tu récupères mes affaires les plus précieuses, en fait. Parce que finalement, quand je suis sur le pont, je suis moyennement serein. Surtout avec les T'es où par rapport au premier pont? Bon, du coup, j'annonce, on a 7 diamants. Ouais. Là, tu me vois? On en fait quoi? Je suis à côté du pont. Alors, une tome. Oui, je te vois. Tiens, le prends ça. Ah, j'ai trop peur. Le reste, ça devrait pas être trop craignos. J'aime pas le vide parce que on est hyper tenté là. J'ai trop envie d'aller miner même s'il y a du vide.
C'est très dommage que je filme pas alors. Parce que tu me verrais en train de faire Yamakasi, mais c'est en gros. Oh, il y a un diamant là-bas, je fais un pont de pierre. Mais genre, le pont de pierre, c'est-à-dire que je me retourne, je recule et je pose la pierre quasiment sous mes pieds en fait. Ah ouais. Oh là là. Tout à l'heure, dans le genre idiot, j'ai miné sous mes pieds, moi, purée. Oui, ah non, oui. Ça, dans le vide, il faut pas. Très... Non, il faut c'est... pas. Il faut pas du tout. Il cafoule. Oh mais, Cyrus, je t'invite juste à poser tes affaires et. Ah ben non, tu filmes pas. Ah, faudrait que quelqu'un qui filme vienne voir le dédale qu'on a fait dans la première île en fait. Ouais. C'est juste infâme. Il avait filmé l'Inetaro, ça. Ouais, mais du coup, c'est juste infâme. Hop. Ah, là. Quelqu'un peut mettre des torches sur mon pont parce que s'il j'arrive. Commence à y avoir la nuit, je sens que je vais me faire. J'arrive tout de suite. Attends, je vais voir le pont. Nixon, comment tu dis que tu fais pour mettre des blocs quand ils sont sur le vide? Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est. Tu appuies sur ta touche pour t'accroupir. Oui. Tu te blesses sur l'extrémité du bloc. Tu maintiens ta touche pour t'accroupir. Tu la lâches surtout pas. Comment on fait pas. Pour le faire ça de manière safe? Bah, tu maintiens ta touche à accroupir. Parce qu'en fait, quand tu t'accroupis, tu ne peux pas tomber du bloc. D'accord. Et du coup, tu te retournes et tu cherches le bord du bloc qui t'intéresse et tu poses ta pierre. Je te conseille d'essayer le stuff vide. Ouais. Bah, du coup, j'ai un super endroit pour faire, mais j'ai peur qu'il tombe dans le vide le fer. Bah, au pire, t'es où? Ça fait mal aux doigts, ces conneries. Je suis dans une des galeries que j'ai creusées dans la deuxième île. J'élargis ton pont parce que là, je le sens pas. J'essaie de te rejoindre. Super. Oh, mais il y a plein de trucs là. Il y a de l'or. Oui, de l'or, mais et du charbon au plafond. L'or, j'ai la pioche sur moi, mais voilà, je suis pas j'ai, là. J'ai aussi une pioche pour l'or, mais là, du coup, je cherche à rejoindre ces quiz. Ouais. J'ai fait plein de galeries bizarres en mode minage fonctionnel. Ah bah, t'es là. Je suis là, à ta gauche. À ta droite, non. Ouais, plutôt à ta droite. Est-ce qu'on va réussir à aller sur la deuxième île avant la fin de la vidéo? Pas sûr. Bah, comme ouais. Ça n'aura pas gâché le pour l'Inetaro. Ouais. Salut! Regarde là, c'est là. Il y a tout plein de trucs. Oui, c'est pas très safe. Voilà, donc je laisse faire les pros. Maman, elle a dit, il faut pas utiliser les couteaux si t'es pas pro. Oh, mais c'est. Oh là là! Cette personne est douée! Regardez, elle fait des balcons sur le vide. Oh là là! Oh, faudra planter la patate. Ah, il y a plein de. Il y en a plein là-bas, là. Il y a de l'or et tout, t'as vu? À ta droite, à ma. Pour l'instant, j'ai miné le fer. Et hey. Je vais attendre que tu te pousses pour aller voir. Ouais, je suis poussée. Effectivement, il y a plein de trucs derrière. Oh là là, moi je filme l'Ixam parce que. Je sais pas si je serais capable de faire pareil qu'elle. Mais hein. Suffit de maintenir sa touche, ce sneak, hein. Ça te sneak. The sneak. Je vais aller miner là. Silis ? Oui. Est-ce que tu peux aller chercher le seau, récupérer un carré de flotte dans le lac ? Ouais. Comme ça, on va pouvoir descendre sur l'île dans la cascade. Parce que là, je pense que si on saute, on meurt. Il est pas très encourageant, hein ? Ouais. Oh purée. Je viens de faire tomber du charbon. Oh, par contre, tu m'ouvres à une perspective intéressante. Ah, là aussi, là, il y a plein de perspectives intéressantes par là. Il y a de l'or. Ouais, mais là, je peux descendre. Il y a de l'or et du fer. Et voilà. Et du charbon. Donc, je prends le seau, je vais chercher de l'eau dans le lac. Tu tombes ? Non, c'est faux. Je suis dans les étoiles, je m'en vais dans le ciel. Non, quelle tête qui t'énerve. Ah putain, le boulet. T'es à culotte. J'ai voulu aller trop vite, c'est pas grave. T'avais beaucoup de choses sur toi ou pas? Non, j'avais 16 blocs de stone, j'avais une houe et puis trois conneries. Une pioche en fer et une. Enfin, vraiment de la merde quoi. Clairement, ça s'est refermé en 10 secondes. Tant mieux. Mais non, suis-je bête? Et le seau d'eau. C'est bon, t'inquiète, là où t'as miné, j'ai fait un sol. Je suis en train d'isoler l'or, mais comme tu m'as appris, mais... il faut...
Il faut qu'on aille au bout du pont là-bas. Et que on pose, tu poses ton seau d'eau pile poil au bout du pont, comme ça, ça va faire une cascade et on pourra descendre en douceur en bas. Ok, on est parti. Ton île est quand même beaucoup plus juteuse que l'île de départ. Hein. Juteuse, pfff. On l'a quand même bien vidé déjà. Ah, grave. Puis moi, avec tout ce qui est tombé à. Je me suis cuhalte, je suis pas toute seule. Non, je te suis pas là actuellement. Ils m'ont du coup, l'exemple, j'ai de l'or par là si ça t'intéresse. Dans l'oblivion. Est-ce que tu jouerais pas à Tezo en ce moment? Non. Pas du tout. Bah, t'as cassé mon sol. On le remettra. Ouais. Je sentais plus experte en sol. Il est là-haut, l'or, tu vois. Il y en avait un autre, là. Tu vois, c'est ce fail-là qui m'a fait tomber. Et quoi ? Par contre, je commence à avoir beaucoup de trucs sur moi, donc... Bah, filez-moi, pour l'instant. Au-dessus du vide ? Bah, viens. Viens, on va dans un endroit safe. Je mets là. Je l'aurais pas placé comme ça, mais admettons. Dans quoi ? T'aurais fait quoi ? Blou. Je l'aurais mis pile poil au bord. Ça. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on va sur une île. Échange safe, via le coffre. Ah pardon. Bah, je me dis. Miaou. Ah, vous l'entendez finalement. Et ben moi je crois que je vais vous attendre en bas de la cascade parce que de toute façon je serai pas au prochain épisode. Du coup je vous ai laissé toutes mes affaires dans un coffre en bas. Ah, je vous fais coucou. Est-ce que j'arrive à vous voir d'ici? Coucou. T'es où? J'ai pas d'épée. Laisse-moi sœur. Et j'ai toutes les ressources sur moi. T'es où du coup? Je suis sur l'île du château là, tout au loin. Je crois que je vous vois. Enfin, ça doit vous devez être là-bas, mais je vois pas vos bonhommes, ils sont pas chargés. Ouais. Bah, vous savez quoi? Je vais voir le château pendant que vous faites l'outro. Non. Comment t'es? T'attendras l'épisode enfin. Ça a l'air intéressant ce qui se passe là-bas. Ouh là là. Bon, et bah sur ce beau teasing, les amis, hein, on va se laisser là. On espère avoir Linetaru au prochain épisode, parce que c'est lui qui voulait aller voir le château quand même. Ouais, ça serait chouette. Moi, je vais ranger les coffres pendant l'inter-épisode. Hein. Bienvenue quand tu veux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah merci d'avoir regardé cet épisode. À la bientôt. Ciao.